211 âmes ont répondu favorablement à l'appel au salut sur les 286 invités à l'EPP Sojefiasis à l'occasion du culte évangélique organisé dans la zone spirituelle de Yopougon le dimanche 24 décembre. Avec pour orateur le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan et par ailleurs dirigeant principal des zones spirituelles de Cocody Plateau, ce fut une rencontre au cours de laquelle l'on pouvait voir le Seigneur à l'œuvre. Je suis dans ma folie. Quand je venais ici, j'avais un mal dans la hanche gauche. Parce que cette hanche gauche était épuisée et j'ai subi une opération chirurgicale. Et on a mis du fer dans cette hanche. Mais pour m'appuyer, pour me déplacer, il m'avait déjà une canne. Et je suis venu ce matin même avec cette canne. Mais cette canne, je l'ai déposée dans la porte. Conduit par le Seigneur, loin de Dieu a orienté sa prédication dans le passage biblique de 2 Rois 5, le verset 1 à 17. Un passage qui parle de Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, lépreux qui avait été guéri par Dieu. Il a comparé la lèpre au péché commis en pensée, en parole et en acte, et affirmait que pour être guéri de cette lèpre, il faut obéir aux prescriptions du divin guérisseur qui indique de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il voulait être libéré de cette maladie. He wanted to be free from that sickness. Mais il n'avait pas de solution. But he didn't have any solution. Il a dû utiliser tous les médicaments de Syrie. Suddenly he has used all the medicines in Syria. Ça n'a rien produit. Ce n'est pas un homme qui a la solution à ton problème. It's not a man who has the solution to your problem. C'est Dieu. It's God. Ton problème, ton véritable problème. Your real problem. C'est que tu es comme Naaman. Is that you are like layman? D'abord, first of all, tu veux que Dieu agisse à tes conditions. You want God to act according to your conditions. Tu veux que ce que toi tu as en pensée, comment tu veux que Dieu agisse? You want God to act in the way you want. C'est ça que tu veux lui imposer. This is what you want to impose him. Mais le Seigneur brise ta résistance aujourd'hui. But the Lord breaks your resistance today. Brise ta résistance aujourd'hui. Breaks your resistance today. Tu vas capituler comme Naaman. You are going to do. You are going to come down like Naaman. You will give your life to him. C'est également la somme des ministères rendus par les sèmeurs de l'évangile de l'église de Yopougon autour du thème « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Oui Dieu, Dieu, Jésus n'a pas chanté. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire. Les témoignages des vies transformées par Jésus-Christ. Frère, je suis un homme heureux, libre. Jésus-Christ m'a racheté du lien de la mort. Et je n'ai plus de lien avec la boisson, ni la cigarette. Je suis le plus heureux. Je vis en paix. Mon argent est sécurisé. Alléluia. Je vais vous remercier aussi. Tout ce que j'appelais, même mes grandes soeurs, du côté maternel, personne n'est venu. Et c'est comme ça, il a appelé mon père, il l'a emmené à Benjéville. Et j'ai emmené ma grand-sœur à Benjéville. Pas les comprimés, ne va pas la guérir. Quand c'est Jésus seul qui guérit, c'est maintenant que je comprends cela. Et nous l'avons emmené à Benjéville. Et lui, on précise les comprimés.
Et elle prenait ses comprimés là. Elle dormait seulement. Elle faisait que dormir. Arrivait un moment même, elle a commencé à cacher les comprimés. Et c'est dans ça qu'il a appelé l'un de mes beaux. Tu m'as amené dans une église, là où j'ai parti, puis j'ai connu la CMC. Oh, lui-même, il avait rétrogradé de là-bas. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, il faut aller à Djamé. Et il m'a donné le numéro de mon fidèle disciple, Guéo Jean-Robert. Et c'est comme ça, je suis partie avec ma grande sœur, notre aînée, on était trois. Et nous sommes allés rencontrer le fidèle disciple en question. Et il m'a prêché, il a prêché la repentance à ma grande sœur, celle qui faisait la dépression. Et j'ai dit, ah, moi je vais essayer, mais je ne vais pas rester dans cette communauté. J'ai fait ma repentance et je me retourne dans mon église. Mais je vais expérimenter cette repentance. Vraiment, Jésus est bon. Jésus est bon. Et après, avant de faire la vie, ils m'ont dit, dédie tous mes péchés. De l'âge où j'ai commencé à connaître ce qui est péché, de l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant. Et j'ai fait ma repentance. Et quand j'ai fini la repentance, mon fidèle de disciple m'a conduit à la repentance. Et j'ai, quand après le baptême, ma vie a changé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus transforme. Je vous dis la vérité. Jésus est ici. Jésus délivre du péché. Si tu es là, tu as la bonne place. Que 111 personnes étaient convaincues d'accepter le Fils de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Soulignons que les invités ont reçu le livre Le chemin de la vie du professeur Zacharias Tanefoumon, dont l'avance pastorale n'est pas le premier responsable de la guérison de pasteur Innocent Lombé. Après l'orange parfaite, les œuvres de Dieu, l'orateur conduit le peuple dans une prière de guérison, de délivrance et de bénédiction. Et le Seigneur attestait son œuvre accomplie par des visions. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Philomène Obou, disciple du pasteur Traï. J'ai eu 5 visions pendant que papa priait pour nous. La première vision, c'est un gros serpent. Pendant que nous étions dans le pied, je ne sais pas qui l'a soulevé pour le lancer en l'air, mais il est quitté en puissance, s'est écrasé sur le sol et il est mort. Acclamons pour le Seigneur Jésus. L'acclamons pour le Lord Jesus. La deuxième vision, c'est un arbre qui a séché, il n'avait plus de feuilles, rien. C'était le corps sec. Mais pendant la prière, l'arbre a reverdi. Acclamons pour le Lord. Ensuite, la troisième vision, c'est la nuée qui a couvert tout ce lieu. Tout était blanc. Allez. Dieu est ici. Gloire à Dieu. Et dans le fond là-bas, j'ai vu un fou. Et immédiatement, une personne grave de taille est descendue auprès de cette personne folle et lui a enlevé tous ses habits souillés, sales, et il lui a pris une robe comme ce que les apôtres portaient en bas là. Une robe. Alléluia. 10 personnes qui avaient reçu leur guérison instantanément ont voulu me témoigner. Gloire à Dieu. Je suis le frère d'Amar Eli. Mon fils est ici, c'est la Seigneur. Il faut dire que je suis fait de l'Isselle depuis 3 ans. Par contre, c'est à chaque année que je m'en réponds. Je ne vais pas terminer de les cours. Mais tout à l'heure, après la prière, je vérifie et touche. Je vois qu'il est sanglé. Il est devenu léger. Donc je veux dire merci à Dieu. Il a eu pitié de moi. Car, ici là, il n'est pas venu souffrir, il n'est pas venu s'enrager. À cause de ce mal,
amenait ma sauce à part. Les chats lui ont prié à Dieu, prié à Dieu. Mais tout à l'heure, après la prière, j'ai vu que le Seigneur m'a délivré. Et j'ai dit merci à Dieu. Merci, ma délivré. Donc, quand je venais le matin, j'avais des douleurs au niveau de la tête, mon corps, mes pieds, tout me faisait mal. Mais après la prière, je me sens vraiment guérie. Et puis après, j'ai des maux de yeux, des douleurs floues, je ne peux même pas lire un seul mot. Quand j'ai regardé dans la fiche, il y a des mots que j'arrive à lire. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Prends l'acclamation. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cette adoration évangélique que nous avons eue aujourd'hui. Et c'est toujours pour moi une grande joie de retrouver les frères avec lesquels nous n'avons pas l'habitude d'adorer. Et c'était une occasion pour voir les frères, tous les frères de la zone de Yopougon. Et ça, c'est l'une des grâces que nous avons reçues aujourd'hui. Et le Seigneur a été avec nous pendant le ministère. Et je lui suis infiniment reconnaissante pour les 111 âmes qui ont été gagnées. Et par la grâce de Dieu, les invités ont répondu à nos invitations. Et ils ont répondu massivement à l'appel du Seigneur. C'est encore pour nous des sujets d'action de grâce qui vont monter au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté. Alléluia. Que son nom soit béni. Je viens dire merci à Dieu pour l'intérêt que tous les frères ont accordé à cet événement. Je bénis le Seigneur parce que nous avons dénombré 3171 frères, 171 personnes, pardon, qui ont répondu à l'appel. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu gagner 111 âmes au Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons le Seigneur également pour tous les frères qui se sont mobilisés pour l'organisation pratique de l'événement. Depuis hier, on a eu des frères qui ont dormi sur le site, qui ont veillé sur le matériel. Et tôt le matin, les frères se sont mobilisés pour que l'endroit soit vraiment propre, l'endroit soit arrêté, apprêté. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tous les frères qui sont venus, qui se sont impliqués pour que cet événement-là réussisse. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et rendez-vous est pris pour le 31 décembre à Atiekwa. Que Dieu vous bénisse. C'est avec des merveilleux dons que le pasteur Innocent Lombé et ses brebis ont exprimé leur gratitude au couple Doissailly pour leur bénie présence à Yopougon. Le prochain virage de l'année 2023 est le 31 décembre au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire pour le grand festival de louanges et d'actions de grâce.